Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile, le pouvoir des mots, comment vous pouvez l'utiliser au mieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser votre produit sur la table, c'est-à-dire d'arriver avec une page ou par un email, de dire à votre prospect, vous savez qu'il a que votre produit répond exactement à son besoin et vous lui dites, en gros, regardez, j'ai un super produit pour vous, il est pas cher, c'est presque donné à ce prix-là, vous en êtes convaincu, persuadé. Vous envoyez cet email, vous envoyez cette page de vente très très raccourcie, si je puis dire, et votre prospect ne passe pas à l'action, il n'achète pas et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que votre tarif est vraiment pas cher pour votre produit, votre service ou votre formation. Votre produit est génial de votre point de vue, vous savez qu'il est génial, qu'il va résoudre une bonne fois pour toutes le problème de votre prospect, que ce soit dans le domaine, moi je connais pas votre domaine d'activité, mais si c'est par exemple dans le domaine de la perte de poids, vous savez que votre produit est hyper efficace pour aider votre prospect qualifié à perdre du poids, à retrouver une forme physique comme il le recherche, si c'est un homme ou une femme c'est évidemment différent les objectifs. Et pourtant, malgré que votre produit soit pas cher, il ne passe pas à l'action et vous avez pourtant mis votre produit sur la table. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là, si vous n'avez pas déjà essayé cette méthode, vous pouvez essayer, vous verrez, vous ferez très très peu de ventes. Mesurez votre taux de conversion sur 100 personnes qui voient ce type de page où vous amenez directement le produit en disant que c'est quelque chose de génial et vous mettez un tarif dérisoire où vous faites très peu de profit derrière, vous pouvez essayer. Mesurez votre taux de conversion sur 100 personnes, combien deviennent clients sur 100 personnes qualifiées. Et vous avez le pouvoir des mots, la solution qui amène, le but c'est d'amener en douceur, subtilement, votre produit et votre service, c'est-à-dire d'y aller étape par étape. C'est comme une chasse au trésor en fait, votre prospect il vient d'avoir la carte du trésor, il connaît son objectif, donc si on reprend le domaine de la perte de poids, de la remise en forme pour un homme, il veut être musclé, avoir plein d'énergie et tout, c'est ce domaine-là. Donc il connaît son point d'arrivée, il connaît son point de destination, c'est-à-dire actuellement, c'est pas ça quoi, sa forme physique, et il a votre carte au trésor, et votre document de vente, c'est votre carte au trésor, et vous allez le guider. Pas vers votre produit quand vous envoyez une page de vente, que vous faites une vidéo de vente, enfin quel que soit le document de vente que vous souhaitez créer pour utiliser, pour profiter du pouvoir des mots, vous allez amener votre prospect au fur et à mesure déjà à prendre conscience de sa situation actuelle, c'est-à-dire à créer ce rapport avec votre prospect. Le fait que vous manquez d'énergie, vous êtes peut-être fatigué après le repas du midi, du coup vous avez du mal à vous mettre au travail. Ou vous avez, en rentrant du travail, vous n'avez plus d'énergie pour vous occuper de vos enfants. Ou quand vous faites du sport, vous êtes épuisé au bout de 5 minutes. Vous n'avez plus du tout de force. Vous avez envie que d'une chose, c'est de vous affaler sur le canapé pour regarder votre série TV préférée. Là, vous avez créé le début de la chasse au trésor pour bien lui montrer un petit peu sa carte, son territoire. Là où il vit finalement à votre prospect. Bien évidemment, il faut adapter cela à votre prospect, à votre marché, quoi, tout simplement. Et ensuite, vous amenez de la valeur. Vous lui dites, est-ce que vous avez pensé que suffit de prendre une minute chaque jour pour mettre vos chaussures de sport, juste de sortir courir, et peu importe le temps que vous courez, juste le fait de mettre votre paire de baskets, de sortir en tenue et de commencer à courir et de le faire ça tous les jours. Est-ce que vous avez déjà essayé cette simple technique? Et des stratégies, j'en ai des tonnes et des tonnes. Par exemple, est-ce que vous avez essayé de faire X ou Y? Et donc là, vous commencez à lui apporter de la valeur, à lui montrer qu'il y a une solution à sa situation, une solution simple, facile et rapide qu'il peut mettre en place dès maintenant dans sa vie. Donc vous construisez de l'intérêt en lui montrant qu'une solution existe, qu'il n'y a pas besoin de se forcer, parce que vous lui dites, vous avez peut-être déjà essayé les solutions où il faut prévoir 30 minutes par jour de sport intensif. Au début, on commence, on est tout feu, tout flamme, et au bout d'un moment, on rate une journée, puis deux jours, puis trois jours, et puis on arrête, on abandonne finalement. Donc tout ça, c'est
de lui montrer que bah, les solutions qu'il a déjà utilisées, c'est pas ça, quoi. Parce que vous connaissez votre prospect sur le bout des doigts. Et ensuite, vous lui donnez de la valeur, vous lui apportez de la valeur, vous lui dites, bah, vous pourriez, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça ou ça, ça ou ça? Et juste après, vous lui décrivez sa situation idéale, c'est-à-dire le point, vous lui décrivez le trésor. Après lui avoir montré sa situation de départ, les pièges à éviter dans la carte au trésor, là, vous allez lui montrer l'arrivée directement, le trésor. Vous allez lui dépeindre le trésor. Donc, le trésor, ce n'est pas votre produit ou votre service. C'est la solution que vous proposez à votre prospect. Dans le cas de la remise en forme pour les hommes, ça peut être un corps musclé, plein d'énergie. Si c'est dans ce domaine-là, dans votre domaine, ce sera tout autre chose. Dire, vous lui décrivez le paradis, le fait, voilà, il a obtenu, si vous êtes architecte, il a obtenu la maison de ses rêves avec la piscine, avec une terrasse orientée plein sud pour inviter ses amis. Enfin, tout ce dont il rêve, bien évidemment, vous devez connaître votre prospect, c'est-à-dire le profil général de votre prospect idéal, toutes les caractéristiques communes. Vous vous adressez à une seule personne et cette même personne, même s'il y a des milliers de personnes qui regardent votre vidéo de vente, qui lisent votre document de vente, ils ont des points communs, des caractéristiques communes, des désirs communs. Et c'est ça que vous cherchez à faire et vous lui dépeignez sa nouvelle situation. Et ensuite, pour atteindre le trésor, il faut une clé. Et la clé, c'est votre produit ou votre service. Et c'est là où vous amenez la clé, avec toujours avec le pouvoir des mots, en lui laissant s'imaginer, ouais, là, cette nouvelle vie, ça, c'est trop génial, je vais enfin avoir de l'énergie, un corps musclé, ça va être super pour faire plein de choses. Voilà, vous lui dépeignez tout ce qu'il peut faire avec ses relations avec les autres. Vous utilisez tous les points, toutes les images qui lui parlent, les émotions qui lui parlent, selon votre activité, bien évidemment, dans chaque activité. Donc dans la vôtre, forcément, votre prospect qualifié, il a des désirs, il a des envies, que ce soit avec ses relations avec les autres, son statut social, la nouvelle vie qu'il peut s'offrir. Enfin, il y a tout un tas de choses, ça c'est à vous de découvrir toutes ces émotions et de lui dépeindre, c'est à ça que sert le pouvoir des mots, de lui dépeindre les situations, qu'il puisse s'imaginer dans cette nouvelle situation. Et vous lui dites, eh bien, la clé de votre trésor, c'est justement le produit, mon produit X ou Y, qui vous permet d'atteindre tel ou tel objectif. Et c'est là où vous le décrivez. Ce n'est qu'à la fin, en fait, finalement, limite à la fin de votre document de vente, que ce soit une vidéo de vente, une série de plusieurs emails de vente, que vous amenez votre offre, donc c'est votre offre, et votre produit, et votre service, et l'appel à l'action. Donc, aujourd'hui, si vous faites cette erreur, arrêtez de... C'est pas parce que vous avez certes un produit excellent qui résout le problème de votre prospect qualifié une bonne fois pour toutes, que ce soit un produit, un service ou une formation, je connais pas exactement votre activité, en tout cas, vous avez un produit excellent. Et le fait de le mettre sur la table, ça ne suffit pas, parce que c'est comme si vous mettez sur la table une clé à votre prospect, vous lui dites, voilà la clé. Par contre, le trésor, je te le donne pas, débrouille-toi pour le trouver. En fait, votre prospect qualifié, il est uniquement intéressé par le trésor, c'est-à-dire ce qu'il peut obtenir grâce à votre clé, grâce à votre produit, à votre service. Donc, prenez bien ça en compte, d'amener au fur et à mesure votre produit et votre service. Franchement, les pages de vente où vous mettez, ouais, c'est que 27 euros au lieu de 1000 euros, c'est que 47 euros au lieu de 300 euros, juste en emmenant votre produit, même si c'est le meilleur du monde, vous ne vendrez pas autant que vous pouvez. Vous ne vendrez pas massivement vos produits ou vos services. Vous allez avoir des taux de conversion très très faibles comparé à ce que vous devriez avoir, ce que vous pourriez avoir avec en utilisant le pouvoir des mots d'une façon très correcte. Comme je viens de vous le décrire dans cette vidéo, pensez à la carte au trésor. Votre produit ou votre service, c'est la clé du coffre. Et le trésor, il est dans le coffre. Le trésor, c'est la nouvelle vie pour votre prospect qualifié. Donc, mettez bien ça en œuvre aujourd'hui dans votre activité. C'est ce qui va vous aider, ce principe de carte au trésor. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, j'ai préparé pour vous une deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, je vous détaille le modèle en 7 points pour vendre avec de simples mots. C'est-à-dire, vous allez découvrir un modèle très simple à recopier avec 7 points, très, très facile à recopier, à dupliquer dans votre activité pour votre produit et pour vendre vos produits massivement et vos services.
et justement vous permettre d'acquérir suffisamment de clients pour passer votre chiffre d'affaires, votre activité au niveau supérieur. L'avantage de ce modèle en 7 points, c'est si vous n'avez pas envie de suivre ce modèle, vous pouvez tout à fait le déléguer à une personne de votre équipe. Il suffit juste de suivre les 7 étapes. Donc je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo. Et j'ai décidé de partager avec vous mes outils de copywriter, mes outils qui permettent de simplifier l'utilisation du pouvoir des mots. Donc de les partager gratuitement pendant 2 mois, et ça c'est... Je savais pas comment je voulais les... Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pris la décision de partager avec vous ces outils, donc notamment Accroche à succès. En fait, c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet, par exemple, je vous parle souvent dans les vidéos, le pouvoir des mots, de trouver la grande idée pour votre produit ou votre service, c'est-à-dire votre produit ou votre service. Quand votre prospect a regardé votre document de vente, il doit se rappeler d'une seule chose, c'est exprimer la grande idée qui est dans votre document de vente avec ses mots à lui. Et si là, vous avez réussi à lui transmettre cette grande idée à travers votre document de vente, que ce soit une vidéo, des emails ou une page de vente en format texte, c'est gagné. Vous mettez tout ce qu'il faut de votre côté pour que votre prospect passe à l'action et devienne votre client. La grande idée, c'est vraiment la clé pour exploser vos taux de conversion. C'est hallucinant. Notamment, ensuite, vous avez le titre de votre produit, de votre service, également très très important, que ce soit ça peut être un livre, une formation, un service, un produit. Le titre est extrêmement important. Et vous avez tous les titres de vos pages de vente, de vos pages de capture. Si vous utilisez les ventes additionnelles, en fait, cet outil Accroche à succès, il est énorme, il contient plus, je crois, j'en rajoute tout dès que je trouve des accroches ou dès que j'en invente, j'en crée pour des entrepreneurs qui appliquent le pouvoir des mots et qui souhaitent mon expertise. Dès que je retrouve des accroches qui fonctionnent chez eux dans leur activité, je les rajoute dans cet outil. Et c'est à partir de là ça permet de découvrir des grandes idées. Parce que vous partez d'accroches, de structures, de phrases qui ont déjà fait leurs preuves, c'est-à-dire qui ont contribué à vendre pour des milliers d'euros de produits, de services, de formations, et vous adaptez votre produit et votre service. Bon, en tout cas, vous avez 2 mois pour l'essayer gratuitement. Tout ça, c'est pour les entrepreneurs qui suivent le modèle en 7 points pour vendre avec de simples mots, il y a 2 mois... gratuit offert pour profiter du logiciel, de l'outil Accroche à succès. Vous allez voir, si vous cherchez un titre accrocheur pour votre produit, votre service, vous allez tout le trouver à travers, il doit y avoir 1611 structures d'accroche à succès. Vous allez forcément trouver quelque chose, soit pour le titre de votre page de vente, pour le titre des pages de si vous faites un lancement orchestré, tout simplement, sur chaque vidéo, il y a un titre, sur chaque page de vente, il y a un titre, sur chaque vidéo de votre lancement orchestré, il y a un titre qui vend la lecture de votre vidéo. Ensuite, dans votre vidéo, si vous la faites avec un PowerPoint ou même si vous la faites en présentateur seul, il y a des accroches, des promesses, des plus-promesses dans votre vidéo de vente. C'est tellement important, je vous en ai déjà... J'ai déjà partagé avec ça dans les vidéos Le Pouvoir des Mots. Cet outil vous permet de trouver toutes les promesses qui sont adaptées à votre produit ou à votre service. Donc, le mieux, c'est d'essayer cet outil. Vous allez voir, pendant 2 mois, c'est entièrement gratuit. Donc, regardez cette deuxième vidéo pour découvrir le modèle en 7 points à recopier pour vendre avec de simples mots. Et avec le modèle en 7 points, vous pourrez essayer... l'outil Accroche à succès. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez découvrir les 7 points pour vendre avec de simples mots et notamment vous pourrez essayer l'outil Accroche à succès. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo. Salut !